Tu as un peu une sale gueule aujourd'hui. Merci de me filmer, c'est très agréable. Je vais casser le mythe de ma beauté divine dans tes journaux filmés. Mais parce qu'en fait, il faut que je prenne une. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en fait, la laine, elle aggrave la senteur de la myrte. Donc je me dis, il faut que j'adapte aussi. Oui, est-ce qu'il faudrait pas que j'enlève la myrte? Enfin, une goutte du produit, une goutte de son machin, et je l'ai diluée dans tout ça d'alcool. Et ça sent encore hyper fort. Je me demande si une goutte, ça va pas déjà être trop. Ça, là. Oh. J'essaye d'être délicate et je défonce tout. Ça sent l'écrevisse. Ça sent hyper bon par contre. Je m'étais dit. Ouais, dubitative. Oh, tu peux expliquer ce que t'as fait? Là, là. Ah oui. J'ai mis des feuilles. De lierre dans une eau avec des cristaux de soude et de l'eau. Je crois que c'était 70 avec 1 litre d'eau que j'ai fait bouillir plus ou moins pendant une heure. Enfin, tant que ça dépend des feuilles, faut que la feuille devienne souple. Et après, je viens enlever la première pellicule qui est représentée par ça. Et je viens frotter avec, donc avec une pince à épiler ou avec mes doigts. Et après... Ah,
à se plier. Et après, je viens frotter avec la brosse à dents pour enlever tout le vert foncé, pour faire apparaître les nervures, c'est ça? En essayant de pas déchirer. Je suis en train de bousiller mon pinceau, ça. Bon, allez, prêt pour la finale. Voilà, là je réussis. Prêt?